Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo que j'avais décidé que je ne tournerais pas. Et finalement, j'ai changé mes plans ce matin à la dernière minute. On est dimanche matin et je suis en train de préparer ma petite trousse d'essentiel maquillage pour partir demain pour 5 jours. Donc demain, je pars 5 jours à Charlevoix. C'est une région pas très loin de Québec. On va skier, on va patiner, on va faire de la randonnée. On va se déconnecter et je me suis dit que j'allais quand même, tout de même, vous montrer ce que j'emporte avec moi. Ça va vous donner aussi une petite idée de ma petite trousse maquillage quand je pars comme ça pour quelques jours, pas très loin. Je ne suis pas maquillée, nous sommes en lumière naturelle, donc là vous me voyez en lumière naturelle. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, quand le soleil rentre dans mon bureau, je ne peux pas me résoudre à allumer ces lumières artificielles. J'essaie de profiter un maximum de la lumière naturelle. Donc, je vais vous montrer vraiment comment est-ce que je fais pour réaliser ma petite trousse de maquillage. Généralement, ce que je fais, c'est que je me fais un maquillage. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer le maquillage que je fais lorsque je vais skier, lorsque je suis à l'extérieur, etc. Et je rajoute un ou deux trucs pour la soirée. Et ça me fait vraiment une trousse d'essentiel. C'est le meilleur moyen pour ne pas oublier quelque chose. Donc, première étape, lorsque je me prépare comme ça une petite trousse d'essentiel, que ce soit ma trousse d'essentiel que je vais avoir au quotidien ici, que j'ai dans ma salle de bain en haut, ou que ce soit une trousse lorsque je voyage, ce que je fais c'est que je prends un petit bac vide comme ça, ou une trousse vide, et je vais me maquiller, et au fur et à mesure je vais mettre les produits dedans, et les pinceaux que j'utilise, comme ça je ne vais juste rien oublier. Ouais. Évidemment ce matin j'ai commencé par mettre ma base Vitamin Enriched Face Base dans la salle de bain en haut, et j'ai la même en version voyage, je l'ai prise avec mes points chez Sephora, donc c'est ce que je vais emmener avec moi comme base hydratante. Donc je vais prendre ça en base et bien évidemment je vais prendre ma All Nighter Face Primer, donc c'est le Longwear Foundation Grip de chez Urban Decay. Cette base là, elle est magique, elle est tout simplement magique. Si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, si vous avez de la difficulté à faire tenir vos fonds de teint ou vos produits teints, magique. Donc ça et ça, je les ai déjà appliqués parce que j'avais commencé à me maquiller, à faire ma petite technique avant de décider d'allumer la caméra et de tourner. Je vous dis aujourd'hui, c'est du live absolu. Mais au moins, vous allez voir vraiment la réalité, comment ça se passe. Un autre produit que j'emmène avec moi qui est ici, c'est le Physical Fusion UV Defense de SkinCeutical. C'est un écran total. N'importe quel écran total fait l'affaire, vous prenez ce que vous avez. Mais quand on va dehors, à l'extérieur, en tout cas pour moi, c'est un... C'est essentiel et un incontournable. Donc je mets ce produit là, je l'adore parce qu'il est très fin, il ne fait pas graisser la peau. Il a tendance à, comment dire, à disparaître complètement dans la peau lorsque je le mets. Ça me permet après de mettre mes autres produits teints et j'ai un écran total, une première étape d'écran total sur mon visage. Comme je vous ai dit, c'est des vacances qui vont être principalement des vacances à l'extérieur, que je vais passer à l'extérieur, dehors. Donc le produit teint que j'utilise dans ces cas-là, je vous en avais parlé cet été, c'est un produit de chez Shiseido, c'est le Sport Bébé SPF 50. Donc en été, je mets la couleur médium foncé. Et je suis allée chez Sephora pour m'en racheter un plus clair. Il y avait le light et le medium et je me suis un peu plantée à cause des lumières de Sephora, n'est-ce pas? Tout ça c'est à cause de l'éclairage pourri. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment un éclairage absolument pourri qu'il y a chez Sephora ici au Place Laurier. Alors aux Galeries de la Capitale, ils ont un super bon éclairage, mais alors ici, l'éclairage est super mauvais. Moralité, quand je suis arrivée chez moi l'autre jour pour le mettre, eh bien... il est beaucoup trop clair, mais vraiment beaucoup trop clair. Donc je pense que je vais être obligée d'emmener les deux et de mélanger les deux pour avoir une couleur qui me convient. C'est un fluide de teint avec un SPF 50 à l'intérieur qui est hautement résistant à l'eau. C'est vraiment génial. Lorsque c'est l'été, quand je suis partie en Italie cet été, qu'il y avait des températures absolument atroces et que je suis, c'est le terme, ce produit-là a été extraordinaire. Il n'a pas bougé. Et ce qui est marrant, c'est que ça n'empêche pas la peau de transpirer, donc on n'a pas l'impression de suffoquer, la peau transpire, mais ça perle et ça s'évapore à travers et le produit reste comme un film sur le visage, absolument génial. Donc là j'ai le light sur la main, si vous voyez la couleur un petit peu. Il y a une couleur en fait quand même assez proche de ma peau, mais lorsque je le mets sur mon visage, ça me fait vraiment comme un voile, j'ai envie de dire un voile blanc. Il faut bien le secouer. Donc je vais rajouter juste une toute mini goutte de mon médium foncé. Mais je pense que ma couleur actuelle serait plus médium que light. Et c'est un produit que moi j'applique à la main.
vous allez voir l'effet seconde peau que ça a, c'est absolument génial. C'est hyper fin sur la peau, c'est-à-dire que c'est presque, je veux dire, c'est imperceptible. C'est absolument incroyable ce produit. Alors autant j'aime pas leur nouveau fond de teint, le Synchro Skin, je l'ai détesté, autant ce produit-là, teint, je le trouve génial, vraiment génial. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends le reste du produit avec mon pinceau Kabuki et je viens juste intensifier là où j'en ai besoin, uniquement au niveau de mes rougeurs, les ailes du nez, le bout du nez. Ça me fait penser aussi que je vais prendre mon compact. Alors le compact, il est avec moi, je l'emmène avec moi sur les pistes de ski. L'avantage du compact, c'est que je peux le remettre en journée par-dessus. Le but, c'est pas d'avoir une peau parfaite quand je fais du ski, parce qu'en fait, je m'en tape un petit peu, tout simplement. Lorsque je fais du sport ou que je suis à l'extérieur, le maquillage, c'est pas ma priorité. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un SPF 50 à l'intérieur. Et donc, vous le savez, lorsqu'on met un SPF au bout de un SPF 50 au bout de 2h, 2h30, il n'est plus efficace. Donc, je viens remettre au courant de la journée le compact par-dessus. Ça me permet de protéger ma peau. Donc, voilà. Anti-cerne, je prends l'anti-cerne que je mets actuellement. C'est le Authentic Skin Retouch Concealer de chez Zoeva que je vais mettre. Je vais aussi en mettre là où j'ai un bouton qui refuse absolument de partir. Il a décidé de s'implanter ici et de passer, je pense, tout le mois de février-mars avec moi. Pour information, je mets la couleur 90 Dependable pour l'anti-cerne. Sur les yeux, je mets toujours un paint pot. La couleur du paint pot que je vais mettre, c'est le Soft Ocre. Quand je vais en fait au ski, généralement, il faut savoir que j'ai un enfin au ski ou lorsque j'ai quand je vais faire des vacances, on va dire plus sportives ou en extérieur, j'ai toujours un make-up de jour et des petits trucs à rajouter que je mets pour le soir. Je vais vous montrer après, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que je rajoute pour le soir. Donc là, j'ai mis mon paint pot en couleur Soft Ocre. Pour les sourcils, je vais prendre mon Brow Ultra Slim de chez Maybelline en couleur brun quelque chose. Brun clair, c'est le 255. En plus, il a un petit goupillon, donc c'est parfait. J'ai pas besoin de prendre de goupillon comme ça. Et évidemment, je vais fixer mes sourcils parce que avec le casque de ski et l'enlevage et le remettage de la cagoule, généralement, les sourcils ne tiennent pas en place. Mais le Eyebrow Fixing Gel de chez Pupa est franchement un de mes gels à sourcils préférés. Je vais faire un petit peu de contouring avec mon Hollywood Contour Wand. En fait, je vais l'utiliser plus comme contour bronzer. C'est ce que je vais utiliser tous les jours là-bas. D'abord, ça prend absolument pas de place. C'est très, très, très léger. Donc, si vous avez des contraintes de poids, c'est génial. Et en plus de ça, c'est ce que je trouve qui tient le mieux. Franchement, ça tient même mieux que mon produit Tantour de chez Huda Beauty sur moi. Donc, je le favorise, entre guillemets. Lorsque je vais skier, généralement, je mets du mascara, je mets du baume sur mes lèvres pour protéger mes lèvres, et c'est tout. Ça s'arrête là, je ne mets rien de plus. Maintenant, il y a les jours aussi où je vais me balader en ville, où je vais marcher, etc. Lorsque je veux un maquillage un petit peu plus soutenu, ou le soir, lorsque je sors, parce que lorsque je reviens du ski, généralement, on prend notre douche, et puis le soir, on va manger au restaurant, on va se balader, etc. Ou en fin d'après-midi, on en profite pour sortir et aller marcher un petit peu. Donc, je vais vous montrer un petit peu le reste de mon maquillage. Vous allez voir que c'est ultra, ultra simple, ultra rapide, et ça doit être rapide, parce que je ne suis pas la seule à me préparer dans la salle de bain du chalet ou de la chambre d'hôtel. Généralement, mes enfants doivent se préparer, prendre leur douche, les Driss aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je fais quand j'en suis à cette étape-là de mon teint, donc je reprends les mêmes produits teint, je vais intensifier un petit peu mes joues. Ça, c'est la palette Hourglass. C'était une édition limitée d'il y a 2 ans. Je l'emmène avec moi à chaque fois que je pars en voyage. Elle est géniale. Ils en ont sorti une autre cette année qui est apparemment tout aussi bien, avec le même type de couleur. Donc vous pouvez y aller. Chaque année, ils en ressortent une à Noël. D'ailleurs, le bronzer de cette palette est absolument sublime. Et franchement, je suis un petit peu désespérée, j'ai envie de dire.
qu'il n'existe pas de manière régulière chez Hourglass parce que la couleur est parfaite pour moi. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'applique juste le bronzer. Je fais un petit C comme ça, hop, hop. Sur mes yeux, ben, c'est la même chose, donc je mets le Paint Pot de MAC et je prends avec moi deux mini palettes en voyage. Généralement, je prends une plus neutre et une plus soutenue. Donc la plus soutenue que je vais prendre, c'est la Natasha de Nona. Celle-ci, c'est un récent coup de cœur. Ça fait un plus d'un an que je l'ai dans mes tiroirs et que je ne l'avais jamais utilisée. Donc celle-ci, c'est la mini lila palette de chez Natasha de Nona que j'emmène. Et j'emmène avec moi la palette Fenty, la numéro 1, parce que elle se comporte super bien sur moi. Alors comme je vous ai dit, je vous ai fait une revue sur ces palettes. Si vous avez envie d'aller voir les différentes palettes en action, j'ai fait une revue avec un maquillage par palette. Et comme je vous disais, le problème de ces palettes-là, c'est que sincèrement, certaines sont d'excellente qualité, d'autres moins bonnes, mais que c'est pas en fait en fonction du numéro que vous avez dessus, mais vraiment en fonction du lot. C'est-à-dire qu'il y a des palettes numéro 1 qui se comportent très bien et d'autres vraiment pas bien. Et c'est un souci. Pinceau GH32 avec la petite couleur de transition de la mini lila, l'espèce de camel qui est juste ici, qui est absolument parfait pour moi actuellement. C'est une belle couleur de transition sur ma peau que je vais utiliser, ben, comme son nom l'indique, en transition. Pinceau GH37 de chez Morphe avec le même petit camel ici. C'est vraiment le type de maquillage que je fais tout le temps. Là, je vais prendre la couleur Nookie Rookie avec un petit pinceau plat de chez MAC. Et je vais venir juste nettoyer un petit peu mon arcade sourcilière, mon angle interne. Avec le même pinceau de transition, je prends la couleur Come In Get It qui est juste ici. Et je vais accentuer mon angle externe un petit peu. Alors après, en fonction du maquillage que j'ai envie de me faire le soir, évidemment, ça peut être... Je peux me faire un trait bleu avec cette petite palette-là, un petit trait bleu d'eyeliner, et ça va très bien avec le pull que je porte aujourd'hui. C'est ce que je me suis fait d'ailleurs hier, parce que je portais un autre pull bleu électrique comme ça. J'ai utilisé ce petit bleu-là. C'est une palette que j'utilise beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais... Je l'aime énormément, les couleurs qu'il y a à l'intérieur sont des couleurs que j'aime porter en ce moment, donc voilà. Après, si je veux quelque chose de plus neutre, on va dire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Earthquake de chez Marc Jacob. Je vais aller juste me créer une petite ligne plus intense. Juste un demi-trait d'eyeliner. Et avec un pinceau plat, qu'il ne faut pas que j'oublie, n'est-ce pas? Donc je vais mettre au fur et à mesure, je mets mes pinceaux aussi dans le bac, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Je vais étirer le petit trait d'eyeliner, enfin le petit trait de crayon. Je reprends la mini lila de chez Natasha Denona. Je vais prendre le petit doré lumineux et je vais l'appliquer en angle interne de mon œil. Et je vais aussi l'appliquer légèrement et l'étirer. Là, je vais juste estomper un petit peu de marron foncé, toujours avec le même petit pinceau plat. Je recourbe mes cils et j'emmène mon recourbe cils avec moi, bien évidemment. Mascara, je vais prendre une version voyage que j'ai. Alors ça, je prends généralement toujours une version voyage, j'emmène pas mes grands mascaras avec moi. Celui-ci, c'est le mascara Volume Effet Fossile de Curler de chez Yves Saint Laurent. C'est mon mascara préféré de tous les temps, j'ai envie de dire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas racheté et pourtant j'adore ce mascara là. Et il est parfait, il tient bien, il recourbe les cils. Ce que j'adore justement, c'est qu'il recourbe vraiment les cils, que j'ai pas besoin de le travailler pendant 10 ans. Je me suis fait des cochonneries. J'ai fait une cochonnerie, je vais laisser la petite cochonnerie sécher. En fait, je ne peux pas parler et me mettre du mascara en même temps, ça n'est pas possible.
ça, c'est vraiment le make-up que je fais le soir. Comme je vous ai dit, en journée, c'est juste mascara. Parfois, un peu de mon bronzer en couleur de transition et c'est tout. Je ne me maquille pas beaucoup, en fait, en journée. Je me maquille uniquement le soir. Donc voilà, c'est fait. Ça m'a pris 3 minutes. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre un petit peu de blush et du rouge à lèvres. Quand je pars, généralement, je prends un nude, un gloss effet repulpant, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et parfois, une couleur un peu plus soutenue. L'avantage des petites palettes comme celle de chez Hourglass, c'est qu'à l'intérieur, il y a plusieurs blushs. Le blush que je vais mettre, c'est un blush un peu nude. Je vais mettre celui-ci. Je prends aussi mon illuminateur Hello Light Cream, c'est ça, de chez It Cosmetics. Vous étiez plusieurs, suite à ma dernière vidéo, à me dire que vous ne le trouviez pas sur le site de It Cosmetics. Alors, il existe, mais il a été repackagé. Il existe toujours, mais il a été repackagé, il est dans un tube. Mais c'est exactement le même. Pour les lèvres, je vais mettre un petit peu de mon Pillow Lip Cream en couleur Humble. Donc, c'est la version crème. Il existe aussi en version matte, mais moi, je préfère la version crème. Donc voilà, maintenant on va tout remettre dans la petite pochette. L'avantage aussi des produits teints de Shiseido, c'est que c'est des produits que je ne poudre absolument pas. Je n'ai pas besoin de les poudrer. Ils restent impeccables toute la journée. L'anti-cerne de Zoeva, je ne le poudre pas. Je vais tout de même prendre avec moi une mini Bye Bye Pore de chez It Cosmetics si je vois qu'un soir j'ai besoin de matifier ma zone T ou autre. Je vais rajouter à ma trousse de maquillage un Crushed Oil Infused Gloss de chez Bobbi Brown. Je vous ai déjà parlé de ces produits-là dans mes favoris du mois dernier. C'est absolument des produits magiques qui hydratent les lèvres, qui vont donner une petite teinte aux lèvres et qui glisse sur les lèvres. C'est vraiment des glosses mais qu'on ne sent pas. Ça ressemble à des presque la sensation d'un baume hydratant en gloss avec une teinte. C'est absolument génial. Donc j'emmène celui-ci en couleur Love Letter, qui est le petit rose nude parfait pour tous les jours. J'emmène un rouge à lèvres nude. Celui-ci, c'est le 050 Badust Beige en version de chez Maybelline. Donc c'est un color sensational shine qui sont hyper hydratants. C'est vraiment un nude que je porte très 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 souvent juste avec mes crayons à lèvres. J'emmène avec moi mes Lippy Pencils de chez Colourpop, le BFF 1 et le BFF 2, qui sont les deux couleurs que j'utilise le plus souvent. Mes produits lèvres vont aller dans cette mini trousse. Je vais les mettre avec vous immédiatement. J'aime bien voir les produits lèvres séparés, ça me permet de les retrouver vraiment facilement. Mais je me demande si je vais pas me prendre un rouge à lèvres comme ça, un peu plus rouge rose de chez Maybelline, un Super Stay Ink Crayon. Celui-ci, c'est le Make It Happen, que j'aime beaucoup porter si un soir j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus intense. Donc voilà, ça va se rajouter dans ma petite trousse. Est-ce que ça rentre dans ma trousse rouge à lèvres? Oui, ça rentre. Ma trousse est fermée. Elle est prête à aller dans la valise. Les pinceaux vont aller au lavage. Et une fois que je les aurai lavés, je les mettrai dans une trousse à part. J'aime bien garder mes petites choses séparées lorsque je voyage parce que ça me permet de mieux m'organiser et de perdre moins de temps quand je suis dans la salle de bain de l'hôtel. J'aime bien avoir vraiment les pinceaux d'un côté et le maquillage de l'autre. Mais chacun fait comme il veut. Mon astuce principale, comme je vous ai dit, lorsqu'on prépare une petite trousse comme ça de voyage, c'est créer un maquillage de jour. Transformez-le en maquillage de soir et mettez-le tout dans une pochette. Vous n'oublierez rien et vous verrez comme ça que vous utiliserez vraiment les produits que vous avez sous la main. Parce que sinon, on en prend 4 fois trop, on emmène 4 fois trop de choses qu'on n'utilise pas. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. J'espère que vous avez appris des petits trucs, des petites astuces. Si vous avez d'autres trucs et astuces à partager avec moi pour lorsqu'on part en voyage, en fin de semaine, en week-end ou juste comme ça quelques jours, laissez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Bien évidemment, si vous avez testé aussi les produits dont j'ai parlé aujourd'hui, que vous avez un avis dessus, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. C'est là-bas que vous allez pouvoir me suivre aussi tout au long de cette semaine de vacances et puis que je vous fais aussi les unboxings, les vidéos tutos, etc. Ça se passe sur Instagram. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Juste en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Nous, on se retrouve vendredi pour 2 prochaines aventures. Jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao !